pense qu'il faut leur dire que c'est notre planète, c'est surtout leur planète, et que, comme disait le proverbe africain, nous n'héritons pas de la terre à nos parents, nous l'empruntons à nos petits frères et à nos enfants. Donc, l'idée, c'est, je pense, de leur dire que c'est leur planète et c'est eux qui en auront la charge dès demain. Je pense qu'il y a quand même une prise de conscience, vu les mouvements planétaires de manifestation autour des jeunes. Je suis plutôt très optimiste. Ils ont entre leurs mains un objet fragile qui est notre bien commun. Je pense qu'il faut d'abord aider à la prise de conscience collective, mais aussi l'occupation du terrain par les manifestations dans les grandes villes, mais aussi dans les zones les plus reculées de la planète, et surtout les catastrophes quotidiennes qu'on a devant nous devraient nous motiver et les motiver davantage. Une petite partie de la population, quand même, de la planète, qui crée ces dérèglements. Et je pense que là, sur le coup, on est au tournant, à un virage très important de notre histoire, de notre civilisation. Et je suis optimiste.